présent Ariel Henry, pour que j'aime rentrer dans le pays, hein? Mais il est clairement qu'une qu'a dit que c'est Ariel Henry qui n'a pas gagné le contrôle pays d'Haïti dans le encore, parce que depuis 29 février, ben bandit avec Zamio, ben monsieur Vivant Samio, mettez Ariel Henry dehors avec un ensemble de l'autre ministre qui n'a pas entré dans le pays. Hein? Et c'est même jeudi lundi ça, qui c'est 11 mars 2024 là, mais nous capables de dire clairement que côté que gagné exactement, mais nous qu'a dit gagné une délégation CARICOM qui a réuni dans le pays Jamaïque en Kingston avec un représentant pays États-Unis, pays Canada et la France pour yo capable décider définitivement sous son Haïti. Lundi sur Haïti pour qu'on ait qui ça au pral dit par rapport avec dossier Ariel Henry. Est-ce que Ariel Henry a retourné dans pays et comme premier ministre mais comme qui ça ou dis-moi est-ce que au pral décider pour capable permettre pays gain une autre transition avec de l'autre acteur là-dedans bien que gain un pile acteur politique en Haïti qui kounia yo soumettre plusieurs propositions ba délégation CARICOM nan. Gien qui parlait de conseil présidentiel avec 5 membres, gien qui parlait de conseil présidentiel avec 3 membres et gien qui parlait de conseil présidentiel avec 5 membres, mais nous clairement que n'a rappelé une conseil présidentiel qui parlait là, c'est conseil présidentiel que leader petite de Saline ensemble avec parti Réveil National qui parlait de 3 membres et dans 3 membres ça yo, c'est Guy Philippe Kun Kapabouet, mais comme président et puis juge Duret Junior mettait sous Dr. François Saint-Ville-Villiers, comme 3 membres qui proposaient avec un conseil présidentiel que Jean-Charles Moïse lui-même lui soumet et le parlait dans divers médias dans le pays. Parler de question ça, n'a dit que dans Wanamet, Géplizier, partisans et ses partisans Jean-Charles Moïse mettait ensemble avec partisans et puis ses partisans Réveil National qui te prend la rue dans Wanamet. Côté, yo clairement dit, yo campé derrière proposition ça que Petit Dessaline fait, ensemble avec Réveil National. Côté, il a clairement dit que normalement, c'est proposition 3 membres qui parlaient de Jean-Charles Moïse. Non? C'est lui-même qui devait passer et c'est là dans lui. Et il a clairement demandé que, et quel que soit moun qui t'a gagné leur proposition, c'est proposition Jean-Charles Moïse là avec Réveil qui a passé selon ça eux-mêmes, yo offert qu'on est et yo dit on a la rien jusqu'à ce que proposition eux-mêmes yo appliqué. Selon ça, yo dit n'a dit en même temps tous les divers journalistes qui eux-mêmes mais qui encore média captain qui s'apprête à le sortir dans les cap venir là, dans moment cap venir là, dans CARICOM, dans Chita Palisa et selon confrère nos Valérie Saint-Louis qui lui-même présent depuis Jamaïque li clairement fait qu'on est que nan ça que le mené comme enquête pour ta connait est-ce que Ariel Henry à présent nan cadre réunion ça monsieur Valéry Saint-Louis et ça que le gagne comme information mais semblait que PM Ariel Henry bien Ariel Henry c'est dit comme ça pour nous en pile monde qui capable d'accord ensemble avec moi c'est dit comme ça mais Ariel Henry qui pas présent nan rencontre ça est-ce que ça dit clairement zami internautes nous que yo communauté internationale a déjà décidé de façon et voilée sous question sur ça, question Ariel Henry qui dit que s'il pas qu'à présent en réunion, c'est-à-dire que il est déjà pas considéré comme chef selon lui-même. Et c'est là que en pile nan yo a posé question et c'est là en pile monde a posé question et n'a dit clairement que si portait pouvoir Ariel Henry yo clairement allié Ariel à Corsi à 21 décembre 2022 yo déjà a demandé avec la communauté internationale pour permettre que Ariel Henry rentre dans pays et yo dit clairement tout yo pour conseil présidentiel 5 membres mais dans conseil présidentiel 5 membres ça yo mandé que pour yo aller dans cour cassation pour yo capable prendre président dans cour cassation pour le capable venir président et conseil présidentiel ça mais yo mandé pour yo toujours kembe Ariel Henry comme premier ministre et c'est ça que allié et puis si até à quoi 21 décembre yo même yo clairement dit là dans question et proposition que yo même yo fait avec mais CARICOM et puis les États-Unis bien que y ait un pile acteur qui dit clairement que yo pas dans question proposition ça capalé et bon côté ensemble de supporter allié pouvoir Ariel Henry mais n'a dit barbecue Jimmy Cherizier que tout le monde connaît sous nom barbecue et qui c'est pas parole Genève enfant et allié et qui c'est en même temps tout pas parole mais monsieur Vivant Samio barbecue dit que li pa yo pas dans question mais gouvernement que CARICOM a parlé là yo pas dans question Ariel Henry yo pas dans question que mais ensemble de ça capalé bon côté CARICOM c'est
yo même vivre ensemble avec un peuple haïtien qui a décidé de qui ça veut et de qui ça a besoin yo même dans question destin pays ça. Mais de l'autre monde qui a parlé, qui a dit à faire pas yo, barbecue dit yo même yo pas dans question ça et yo même yo clair sur ça que y a continué avec un mouvement qui autant mais dans pays hein, qui s'est dit que Ariel Henry pas gain droit mettre point pied en dedans pays hein, puisque nous connaît clairement moment on a parlé là gagné pas 5 ministres et on dit ministère qui de yo dans pays qui pas en Haïti bien que gagné ministère ça yo Ariel Henry occupé deux postes là-dedans Ariel Henry comme premier ministre et comme ministre intérieur qui de yo et mon prophète Milsé comme ministre justice et comme ministre de la communication qui de yo qui ministre des affaires étrangères Jean-Victor Généus qui de yo et qui ministre environnement pédaïtien qui c'est James Kader qui lui-même tout de yo. Ça veut dire l'en garder au total des plusieurs membres gouvernement ça qui pas en Haïti et qui pas qu'à entrer à cause bataille gang armé yo. En même temps on a dit que gagner là en pilote information là pour capable faire qu'on est par rapport avec ça gagner là comme information nan qu'est-ce qui est pour avec arrêté Ariel Henry dans pays Porto Rico et c'est agent FBI qui t'a balle sécurité gagné un c'est colonel Imler Rebu qui réagit sous dossier ça et selon un colonel Imler Rebu il clairement dit que je dis Ariel Henry qui pas qu'entrer dans pays c'est a déjà montré que un bien international a pas besoin Ariel Henry mais pour coordonnateur Gréa ancien colonel Imler Rebu il croit que le quartier primatia Ariel Henry bon qu'a dit ancien le quartier primatia c'est dit le constat tout c'est un monde qui arrêté l'elle considéré façon que FBI kembe Ariel Henry en bas contrôle yo sinon c'est agent secret qui tape là pour capable sécuriser là. Il me l'a rébut, prend comme exemple façon, République Dominicaine, il a même été empêché que avion que Ariel Henry était là-dedans atterrit la caille à voisin. En même temps, tout, gagné, il me l'a rébut, qui clairement parlait toujours, lui dit que, lui d'accord pour neg, examio, participer dans celui sur crise, là, je ne jeudi, hein, mais gang yo vignon acte tout, dans sa qu'a passé dans pays, hein, mais c'est le ancien colonel, il me l'a rébut, mais qui croit que déclaration, mais c'est ça, yo, c'est une gros menace à société à PACA, et fait silence sur yo, mais dirigeant politique, l'a critiqué certains acteurs qui voulaient imposer comme celle imposé yo comme celle groupe qui a décidé nan payan yon comportement qui ka rend bandi yo pi violent selon sa ki di bon côté Himmler rébu en même temps tout un c'est colonel non les mêmes quoi que Premier ministre Ariel Henry, mais Ariel Henry, il est clair que Ariel Henry, pas Premier ministre encore, États-Unis prend disposition pour chercher une autre solution pour remplacer, selon Himmler Rebu, dirigeant politique, l'a expliqué, Joe Biden, président américain, hein, pas tap qu'a commencé campagne sans pas au moins résoudre problème sociopolitique haïtien, malgré acte yoté qu'on est Ariel Henry, pas qu'a arrêté, en pas de jamais jouer comme alternative. Mais c'est ça qui bat États-Unis. Nous sommes capables de les couloirs pour rentrer. Mais quand dans le jeu de pays, c'est ça qui dit bon côté, il me l'a rébut. Dans la question qui est pour avec un dossier amnistique, que Philippe t'a parlé, dans le cadre d'interview que tu as avec le journal Reuters pendant le week-end, non? Mais un pile monde prend à boulet rouge Guy Philippe et a tellement critiqué le réseau dans la presse. Mais Guy Philippe qui était obligé. À travers un petit vidéo, à travers un petit audio qu'il te mettait dehors, lui expliquer qu'il est sur amnistie que le palais pour les qui des amnant mais yo, mais Guy Philippe annonçait là bas gang yo amnistie s'il y avait sous pouvoir dans pays d'Haïti. Ancien rebelle 2004 n'a pas caché volonté là pour le tavin président paysan, mais le voyait bien loin parole qui t'a fait quoi le camper dans dos, mais bandio dans mouvement levé campé contre Ariel Henry, il fait déclaration ça yo dans micro et journal Reuters dans fin semaine patient là, mais faut nous dit c'est une déclaration qui joue en pile critique sur réseau 1 pour défendre un sénateur élégant d'instant expliquer amnistie en plusieurs étapes. Tant coup, qui est-ce qui t'a financé Gagno? Il parlait de ça, il une commission vérité qui permet que nous connaissions qui est-ce qui t'a fait Gagno moyen. Mais Guy Philippe a fait quoi? C'est Oligatlan qui t'a financé Gagno qui voulait bandit mourir plutôt pour payer un capable jamais connaît. Mais qui braque, qui a baisé avec nek armé, c'est ça qui t'a dit
Bon côté Guy Philippe, elle croit que je dis, elle est toujours capé des questions amnistie que je t'ai parlé, parce que je dis, on essaie de comprendre ça Guy Philippe dit selon lui-même, mais je dis à bandit, yo, ne qui gè zam nan yo, c'est pas eux même qui achetez zam yo, c'est pas eux même qui achetez munitions yo, c'est des moun qui arrangent dans l'intérêt yo, qui voye zam ba nek sa yo, selon ça qui dit, bon côté, c'est sénateur Eli Grandeslam, qui c'est Guy Philippe. Voilà, mais c'est dans point ça yo, akadi, parce que l'autre, après, Guy. Ok. C'est, et moi, je l'ai fait d'avoir commencé. Ah, okay. La société comment nous y est content pour la peine jeudi à une nouvelle émission sur mes 5 nouvelles blessés et faux points nouvelles. Moi, collaborateur de Zivenesse, côté qui va continuer à analyser, questionner, réfléchir sur ce qui a passé dans le pays. J'en dédile déjà, jusqu'à présent, autorité CARICOM yo, il y a encore réuni lundi 11 mars pour qu'on ait. Qui s'apprête à le décider et qui s'apprête à le sortir comme décision finale notre dossier Ariel Henry. Est-ce que Ariel Henry, pas premier ministre encore même dans le pays, hein? Est-ce que Kage ou le gouvernement de transition et gouvernement de transition, ça, qui est-ce qui prend là-dedans? Puisque je tiens là, tellement que proposition qui sous table, hein, avec le conseil présidentiel hein, de 3 membres, de 5 membres, de 7 membres, et aller dans la cassation, c'est un véritable débat qui a fait dans les acteurs. Mais laissez-moi dire, si il y a des acteurs politiques qui clairement a parlé de conseil présidentiel, qui a montré que même côté peut aller, mais ça peut faire, m'a dit que c'est sérieusement tout et m'a dit clairement que Jimmy Cherizier dit barbecue, parce qu'il ne va pas ignorer M. Sarotou. Monsieur parle le jeudi 11 mars là. Monsieur dit que yo même dans vivre ensemble. Yo pas accepter aucun gouvernement que CARICOM a venir imposer yo qui a sorti dans ti chambre hôtel qui pas que ça ne relé revendication peuple dans la donne. Et il dit clairement que c'est peuple haïtien avec yo même dans vivre ensemble pour me citer barbecue qui a décidé qui gouvernement pour gagner par la mélanger. Et monsieur Crépoul dit que yo même jusqu'à présent Ariel Henry va rentrer dans le pays. Mais en même temps, tout gagne Petit Dessalines, ensemble avec Réveil National, ou ensemble de notre acteur politique, ou ensemble de la personnalité dans le pays, ils ont déjà fait s'en aller proposition par eux. Et proposition clé, c'est au conseil présidentiel 3 membres, avec Guy Philippe comme président, et Jules Junior comme membre, et puis Dr. François Saint-Ville-Villiers. Bien que nous ne pouvons pas voir dernier temps ça, qui va les frapper que proposition, conseil avec Petit Dessalines fait, comment que un ensemble d'acteurs a tiré sur eux. Mais yo même tout cap tiré sur conseil avec Petit Dessalines, yo pas capable d'entendre yo. Il y a division sur yo. Il y a division dans le temps yo. Des événements, comment les frères avant même que ne se voient invités aujourd'hui. Ben, situation, nous, t'as qu'on, en pile, dans les amis internautes, qui a regardé, qui a constaté la situation pays, à ne pas permettre de pousser haïtiens, quel que soit côté où trouver, à travers le monde, là, ou pas qu'en forme, ou pas qu'à ok, mais souffrir le besoin de faire résistance, c'est qu'à permettre que nous passer mauvais étape, là, parce que chaque peuple, à travers le monde, il y a une situation difficile, pas eux, mais on entend, il y a faire résistance, qui a permettre que pays, à revivre, parce que c'est ensemble des peuples qui, à travers le monde, qui, à travers le pays, qui constituent, ensemble des stabilités qu'il y a, c'est tout ça, que le pays d'Haïti, qui a pris des situations difficiles, qui a pris des jeudi, chaque grain haïtien, chaque grain haïtienne, qui est important pour le coller ensemble, qui a permis que le pays a sorti dans la situation difficile qu'il trouve là. En plus, là, on a dit, il y a un pays qui a trouvé là, mais de fait, comme il arrive là, nous, chaque, nous besoin de coller ensemble, qui a permis que le pays a sorti dans la situation difficile qu'il trouve là, je ne veux dire. Tant que j'en dis, tant que j'en annonce les invitations, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ancien policier, 14 l'année, dans l'institution régalienne qui gagnait pour gérer les questions de sécurité, administration publique là, et population haïtienne là, qui est reconnue par la constitution pays. Barbecue fait qu'on est, l'IPAP reconnaît pièce gouvernement, si ce n'est pas très plat, qui veut choisir. C'est le petit hôtel qui CARICOM décide, comploter, consulter des nègres qui sont acteurs politiques dans le pays d'Haïti pour venir diriger sous commande Dieu, sous commande des Nations Unies, le pape d'accord, le pape déposer des amis. Toutefois, ce n'est pas satisfaction peuple. En plus, le monde a dit, c'est barbecue, c'est pas votre parole, vivre ensemble, non?
que en plus le monde constate, c'est pas par la fédération des gangs qui barbecue, et en plus le monde a dit que barbecue a joué l'autre rôle, je dis, qui c'est porte-parole, peuple haïtien, qui estime qu'on est une situation qui est très difficile. Gagné, il y a un parlementaire démocrate qui parle. Grégory Nix. Grégory Nix déclaré que il n'y a pas qu'à quitter le pays là, dans la situation qu'il a plongé la Jodhia en bas des gangs qui gagne, il a accusé Guy Philippe comme monde qui n'a pas gang armé en dedans pays là. En plus, on a posé cette question. Qui côté Grégory Nix qui c'est un parlementaire dans ce qui est démocrate. Je n'avais pas de déclaration ça. Et monsieur collègue avec barbecue. Est-ce que c'est pas même corps groupe là qui a pillé Grégory comme parlementaire pour venir avec déclaration ça parce que en plus mon ouais qui finit dans pays d'Haïti comme monde qui carré les blancs danger après je te viens enlever parce que c'est ça que peuple haïtien déclare. Monde dans grandance et monde dans département l'ouest, monde dans Goraïve qui connaît bataille que Guy Philippe te mené dans 2014, c'est pas moi qui a dit. Il a déclaré que c'est un kidnapping qui a été fait sous Guy Philippe, là où il a arrêté, monté États-Unis avec lui, malgré que pas trouvé ça au reproché Guy Philippe. Ça, c'est Mounio qui a dit. Donc, il a parlé avec un invité, sans doute, qui connaît ensemble des passés Guy Philippe. Sans doute, il a la question, soit conseil présidentiel ou collège présidentiel, là, dit qui ça qu'elle connaît, qui ça qu'elle comprend dans cette situation, ça, où les personnes. Selon OIM, un organisme international, il déclare que c'est plus passé 15 000 personnes dans les dernières semaines qui courent quitter la caillou, car vivent dans le bâtiment. L'école, l'hôpital, dans l'idée qu'ils sont capables de sauver la vie en bas d'exaction, dans l'examen, dans l'hôpital capital du pays. Pendant ce moment, il faut nous dire que le barbecue n'est pas posé, il est prêt à arriver avec les amis, caoutchouc nommé, pour le voyer message qu'il a voyé. Par la communauté internationale, là, pour dire non, ça a été arrivé. Sous gros général la torture, il n'est pas arrivé encore, il n'est pas d'accord que le monde vient choisir. Fouillou. Président Salvador, pour qu'elle ait cohérent avec des grâces que faiblesse de son. Lui dit, la qualité de la situation était très difficile. Le monde était passé dans la bêtise. Le président a résolu le problème d'un la Kali. Je dis, hein, la Kali représentait un pays qui. Paisible, Salvador. Je dis, quand il y a main avec le problème de là. Après, on a posé cette question. Qui ça fait, Nations Unies? Qui ça fait, l'États-Unis, Canada, la France? Parce que Nations Unies, c'est pratiquement trois gros pays, ça, et puis plus d'autres, qui Kimbel, qui fait ça, ou Lavelle, qui servit avec six pays, pour qui ça, il n'a pas décidé, by Salvador. Mission multinationale à soutien qui a parlé à qui devine aider la police la bataille de contre les gangs armés que les États-Unis, les États-Unis, Nations Unies, comme groupe, mettent dans le pays. Si vous pas de vrai, ça vient dans le pays, cartouche qui vient dans le pays, ils vont rentrer pour la jeune. Chen Gasson, qui est ancien député, Anel Belizer, c'est relé des opprimés mal orientés qui a kidnappé, qui a violé, qui a tué, qui a brûlé, voilà, Michel Sables Vesson. Nous allons regarder ensemble pour ça, avec invité, Démarc, à la hauteur, dans l'émission de la matin, pour nous saluer, tous les amis internautes qui marchent tout partout, à travers le monde qui a regardé, les infos, par les nouvelles, après sa couverture. Fédéral Cerisier, comment est-ce que mon frère? Blaise Peterson, bonjour. Et nos amis. Désiré Nes, bonjour. Haïti tout entier, bonjour. Diaspora, dans quatre pays, dans quatre mondes, dans la référence, bonjour. C'est un plaisir pour nous de prendre la parole au nom de Réveil National, de référence au nom de l'initiative 5 mars, qui regroupait plus que 3850 organisations et plus de 125 partis politiques. Et qui, je veux dire là, fait choix d'un conseil présidentiel pour un tel pays par rapport à l'ensemble de problèmes sans précédent que nous connaissons. Ensemble de problèmes que nous avons besoin d'énumérer, et il faut avoir des oreilles, il ne faut pas avoir des oreilles, il ne faut pas attendre du tout dans la radio, il ne faut pas avoir des oreilles, il faut aller sur les réseaux sociaux, et que ce soit dans la télévision, ça a passé en Haïti, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est une préoccupation générale, une plus grande préoccupation qu'il y a à l'heure actuelle, sont certains CARICOM
sont certains CARICOM, qui sont vassal des États-Unis, vassal de l'ONU, qui fait être passé comme une autorité supranationale, et qui sans mandat, sans qualité, je pense que Karine passe l'ordre avec Haïtiens, au nom de quel principe, lorsque nous connaissons dans chaque ONU, dans son article 1er, il a dit la non-ingérence dans les affaires internes de pays, et c'est éternel, clair, noir sur blanc. Mais cependant, l'article 7, il a dit sauf en cas de menace contre la paix et la sécurité internationale, il y a un pays voisin qui a toujours intervenir. Je veux dire là, moi comprendre que Haïti gagnait un peu le problème. Moi comprendre que je veux dire là, Haïti a connu une crise sans précédent. Mais maintenant, en réalité, côté Zami Sayo était depuis les ont fini faire tweet de matériel là pendant près de 30 mois, il n'y a pas de gens qui fait aucun avancé aucun pion qui peut permettre que c'est la peine un pays là, mais c'est plus ou moins quoi que quitter le gouvernement chez Meli et puis quitter monsieur les gangs, qui c'est des victimes des ministres, des directeurs généraux, victimes du président de la République, victimes de société. Et nous savons quoi, les coups aujourd'hui, ils sont des combattants. Qui comprennent bien aujourd'hui là que vous devez camper pour le peuple là, pour en quelque sorte porter un coup de main dans sa pays là. Je dis dans le clair. Nous allons entrer et Fédé, ok, où tu entres là? Fédé, toi, tu es là, Kouzaï. Fédé, on va avancer, Fédé. On va entrer clairement avec CARICOM, tout ensemble de ça. Mais voilà, on regarde les Fédé comme première partie question. Ariel Henry, bon, j'aime ta deal. Et n'a qu'à dire jusqu'à présent, entre guillemets, si me dit comme ça. N'a qu'à relever le PM et chef gouvernement, n'a qu'à dire entre guillemets. Mais dans la réalité, je ne dis pas que Ariel Henry là, par contre, qui côté lié, je ne dis pas qui côté lié, c'est-à-dire, il n'y a pas au gouvernement qui a dirigé parce qu'il n'est pas en Haïti, et c'est pas le choisi pas en Haïti. Au côté, il a été fait tentative pour entrer dans le pays depuis le 4 mars, mais il y a qui des âmes dans le pays, qui je dis, qui mettait tête sur ce qui est vivant ensemble, qui dit Ariel Henry ou pas rentrer, et rester dehors de honnête. Je dis, si je ne me trompe pas, Ariel qui a gagné pas 2 semaines, là, combien de jours de pays, et qui réaction ou même fait de Nerserizier comme acteur politique et comme membre révélant et qui a observé sa capacité dans le pays? Il est clair que quelques jours avant, si monsieur qui est dans la rue, prend Zam, qui était campé d'un seul homme, et moi, je suis dans le micro de la presse, qui a annoncé des DN. Actuellement, Ariel sont exilés. Exilés même. Et ils sont exilés, oui, Ariel sont exilés. Ils sont exilés, et. Ça fait nous dire exilés, hein? Et ce n'est pas n'importe quel exilé, non? Ils sont exilés qui sous surveillance. Parce que côté lié, il n'y a pas décidé de pouvoir griller pour nous dire que c'est un pays. Il n'y a pas décidé de pouvoir griller, déplacer les gens. Il n'y a pas qu'à ce que les gens veulent. Ils sont sous contrôle FBI d'après information que nous, jeunes, en bon moment, que ce soit ça, Miami Herald Bay, que ce soit ça, RFI Bay, Memoritez, ou encore, des Guadian, toute grande journée nationale du Bali Leclerc, Ariel Henry n'est pas libre de ces mouvements. Et ça permet que nous disions, Léon Lex, c'est un dirigeant courrier. On dit gens malhonnêtes, on dit gens irresponsables, l'ont fait être passé comme petit vagabond, eh bien, sauf fait assez libre pour elle. Parce que nous n'avons pas à comprendre, je dis là, un premier ministre, et à la représentation des pays à l'extérieur, les vont entrer, même là, c'est le même, il était campé en face, peuple dans le nord, là, pour qu'on n'a pas fait pour le faire plaisir à Abinadel. Et c'est grave, moi-même. Moi, je n'ai pas de gens pratiques à elle, mais c'est grave pour le premier ministre pays. Même lorsque nous connaissons, il n'est plus le premier ministre. Son histoire de titre, c'est plus passé la question du premier ministre pour Ariel Henry. Mais nous pensons que Ariel Henry fait peuple haïtien pour Carlos Marassa. En matière diplomatique, je dis là, ou pas qu'à Gon. Le premier ministre, à l'extérieur, okay? Des pays, des frontaliers, okay? Qui partagent et une histoire de longue date. Okay? Pour, je dis là, donc on est pour qu'ils aient déclaré le persona non grata. Elle dit même pour qui elle, il n'y a pas qu'à mettre. On est au ministre de justice, ministère de la perdu, hein, arrivé là-bas cette domaine. À quelques kilomètres d'Haïti, il est obligé de retourner aux États-Unis encore. Il n'y a pas qu'à mettre pour qu'il y ait un pays. Ils sont route nationale et nous ne pouvons jamais passer un premier ministre aussi nul, aussi piète, aussi bête,
nan niveau Ariel Henry. Même penser vraiment je dis là et nan réveil là nous considérer ça. Nous considérer ça comme dradi comme qui très laid et vraiment c'est pas digne pour le de côté il y a notre tête primature là en tant que premier ministre. Et nous dit rivé là pour il est bloqué là, c'est pas pour volonté, c'est pas monsieur qui était là dans le gouvernement ensemble avec la vérité, mais c'est par rapport à ses irresponsabilités.